À travers cette formation, l'Association pour la vie et le bien-être social congolais en Afrique a pour objectif de donner les éléments de base aux acteurs de santé et de développement chargés de sensibiliser la population sur le programme Accès aux soins de santé pour tous. Un programme qui va s'exécuter à travers une assurance maladie destinée aux acteurs du secteur informel. Il y a ceux-là qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie parce que nous avons des compagnies d'assurance qui proposent une assurance maladie. Mais il y a le besoin qui est là, le besoin d'avoir accès. Mais comment ? Avec les revenus incertains, donc le programme vient quand même relayer ce système pour permettre à tous ceux-là, quel que soit le revenu, de pouvoir avoir accès aux soins de santé. Parce que dans l'organisme, nous avons mis le projet qu'on appelle A-Santé. A-Santé, c'est quoi ? C'est juste une mutuelle santé qui permet de réunir toute personne sur un fond commun et de pouvoir avoir accès. Les participants à cette formation se disent prêts à accomplir leur mission. Je l'apprécie bien parce que cette initiative, c'est juste pour porter un bien, une aide à la population, plus précisément sur le cadre de la santé, là où nous parlons de la sécurité sociale. Cette association nous a permis d'abord à nous acteurs d'avoir connaissance de cela et après nous irons auprès de la population congolaise leur faire comprendre ce que c'est cet organisme et qu'est-ce qu'ils peuvent bénéficier. Au Congo, 60% de la population active du secteur informel se trouve dans une situation de vulnérabilité.